Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter tout ce que Jeanne a reçu niveau vêtements essentiellement pour Noël. Il y a deux choses que je vais vous montrer qui n'ont rien à voir. C'est une boutique Etsy qui me l'a envoyé. Vous entendez Jeanne, elle est juste à côté. C'est une boutique Etsy qui me l'a envoyé. Je vous montre à la fin de la vidéo, c'est juste sublime. Mais il fallait absolument que je vous le montre parce que je vous l'ai déjà montré sur Snapchat il me semble. Je vous en ai pas encore parlé en vidéo et c'est juste trop beau. Et donc c'est tous les vêtements que Jeanne a reçus pour Noël, sachant qu'elle a reçu des cadeaux, enfin il y a des cadeaux sous le sapin, mais j'ai des personnes que je ne vois pas pour Noël, donc on les a vus avant et Jeanne a été gâtée avant. Donc voilà, je vais vous les montrer pour pouvoir les laver, les ranger et pouvoir lui essayer, parce que je pense qu'il y a 2-3 choses, il y a 2-3 choses à sa taille pour l'instant, mais je ne suis pas certaine, donc on va voir, on va revoir ça ensemble. Mais avant ça, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est les gels antibactériens de Merci Andy en collaboration avec Disney. Je les ai reçus, je vous ai fait une petite photo que je trouve d'ailleurs trop belle, je suis trop fière de moi, sur Instagram. Et je voulais vous en parler parce que j'ai un code promo tout simplement. Je vous l'ai dit sur Snap et sur Instagram, je vous l'ai pas encore dit ici. Donc c'est Mélissa Disney, je ne gagne rien avec ça, hein. Faut pas croire que j'ai de l'argent à chaque fois que vous allez acheter une petite trousse. C'est 14,99€, les gels antibactériens franchement ils sont top avec des petits personnages de Disney. Voilà, évidemment ils sont à l'envers. Mais elle s'amuse. Mais voilà, vous avez tous des petits personnages comme ça de Disney. Voilà, donc avec des petits personnages de Disney, franchement c'est juste trop chou. C'est juste trop chou. Et avec mon code Mélissa Disney, vous avez droit à une crème pour les mains gratuite du parfum de votre choix. Mais attention, vous devez ajouter la crème pour les mains dans votre panier pour pouvoir l'avoir gratuitement. Donc ne pensez pas que juste en mettant le code Mélissa Disney, vous allez avoir votre crème pour les mains dans votre panier, dans votre colis. Il faut absolument l'ajouter à votre panier, mais vous ne la payerez pas évidemment. Je les trouve trop bien. Et celui que je préfère, étonnamment, attendez, je ne sais plus... Je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas le Black Vanilla. Je pensais que ça allait être le Black Vanilla. Et au final, c'est le Lollipop. Qui sent super bon. Ah ouais, c'est vraiment mon préféré. Hop, regardez ça, qu'ils sont pas trop choux. Est-ce qu'ils sont pas trop choux, quoi? Oui, ils sont trop choux, hein. Donc voilà, petite parenthèse faite. Et comme je me nettoie très souvent les mains avec du gel antibactérien avant et après le change de Jeanne, pour vraiment tout, je me lave les mains quand je suis pas à la maison, je sais pas me laver les mains. Je me lave les mains avec du gel antibactérien, donc voilà, au moins ça me permet d'être désinfectée. Alors, première chose, je sais pas si vous connaissez ce magasin. Moi je l'ai découvert il y a pas longtemps parce que c'est la deuxième fois que la personne m'offre des vêtements de cette boutique. Je connais absolument pas, donc c'est interdit de me gronder. Je vois qu'il y en a une en Belgique, à Waterloo, je savais pas du tout. Sinon, je pense que c'est un magasin français. Ici, ça vient de Saint-Tropez. Saint-Tropez ou Sainte-Maxime, je ne sais plus. Mais la personne l'a acheté dans le sud de la France et je viens de voir qu'il y en a une en Belgique. Voilà, à Waterloo, je ne savais pas du tout. Interdit de me gronder, j'ai été voir, c'est une boutique qui coûte quand même assez cher. Ils ont des très beaux vêtements. Mais voilà, je ne pourrais pas habiller ma fille que là-bas. Donc merci beaucoup à la personne qui lui offre des vêtements de cette boutique, parce que cette personne adore cette boutique, donc tant mieux pour Jeanne. Mais moi, je ne pourrais pas me le permettre. Donc petit t-shirt bleu marine tout simple, interdit de me gronder. La personne l'a pris en 18 mois, donc ce sera pour l'été, pas celui-ci, l'été prochain à mon avis. Donc voilà, interdit de me gronder, je le trouve trop chou. Bon, je sais pas pourquoi ma caméra ne veut pas faire le focus. Elle a décidé de pas faire le focus. Voilà, maintenant elle le fait. Maintenant elle le fait. Voilà, il est trop chou. Et pour aller avec une petite jupe, bon à la base... Vous savez que, voilà, c'est pas ce que j'aurais acheté. Mais je la trouve très sympa parce que ça rappelle le t-shirt avec l'intérieur bleu marine. Et il est marqué Golf Club là sur le côté. Donc je vois déjà bien cet ensemble-ci, hop, porté comme ça. Avec, avec des petites baskets blanches par exemple. Donc voilà, je trouve ça trop chou. Mais à la base, la jupe toute seule, voilà, je ne l'aurais pas achetée. Mais c'est vrai que l'ensemble, quand je les mets l'un à côté de l'autre, je me dis ouais, ça peut être super sympa en été. Ma petite Jeannette là-dedans avec des petites converses par exemple, ça pourrait être super canon. Hop. Ensuite, de son parrain, elle a eu un petit coffret Ralph Lauren. Hop, donc le coffret se présente comme ceci. Et c'est en 3 mois. Mais ça honnêtement, je l'ai regardé, il me semble qu'il est quand même assez grand. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Donc vous avez 3 choses à l'intérieur. Bonnet, petit nounours qui est trop chou. Et petit pyjama. Le nounours, il est juste trop chou. Petit nounours tout blanc comme ça, il est trop mignon. Le bonnet que je trouve extrêmement grand.
mais vraiment très 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 grand. Donc je pense que ce sera à mon avis pour le printemps. Vraiment le printemps parce que il est vraiment très grand, enfin je trouve. Maintenant Jeanne va peut-être avoir une grosse tête, mais je le trouve vraiment super grand. Elle est calme, ça m'étonne vraiment. Et voilà, le petit pyjama en 3 mois, mais regardez, je le trouve vraiment super grand en fait. Il est grand et fin, donc on voit que c'est de la qualité, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, le petit col et tout, c'est super mignon. Il n'y a pas de pied et il est très fin, donc je pense vraiment que ça, ce sera pour la fin de l'hiver, vraiment s'il fait chaud à la maison, quoi, parce que... Moi, chou. Vraiment s'il fait chaud, chaud à la maison, quoi, parce qu'il est vraiment super fin. Hop, avec des petits boutons et tout, voilà. Donc ça, c'était le petit cadeau de son parrain en avance. Ben, à mon avis, elle aura encore un truc à Noël. On connaît le parrain, hein. Et ensuite, elle a eu des vêtements de chez Primark et de chez Kiabi. Je commence par Kiabi, un petit pyjama en taille 1 mois. Hop, il est pas trop chou. Ça, je vais pouvoir lui mettre maintenant. Parce que les Kiabi, elle met des 1 mois Kiabi maintenant. Donc ça, je vais pouvoir lui mettre. Il est trop chou et il est vraiment en doudoune, quoi. Il est vraiment trop canon. Toujours chez Kiabi, elle a reçu des petites chaussures blanches. Elle commence à râler. Des petites baskets blanches. Elle a les mêmes en grise. Et ça tombe bien parce que des petites baskets blanches, je n'en ai pas. Mon chaton! Et alors? Il faut remonter un peu. Tu glisses? Oh. Tu glisses, ma mouche? Voilà. Elle est juste à côté de moi sur le coussin d'allaitement. Ensuite, un petit pantalon. Hop! Comme ça. Donc j'aime bien la couleur. La matière est vraiment stretch. Hein. C'est pas un jean, c'est vraiment un jegging. On peut appeler ça comme ça. En 3 mois. Donc voilà, je le trouve super mignon. Hop. Un petit pull. Franchement, celui-là, il est trop craquant quand je l'ai vu. Il est trop craquant, ça. En 1 mois, on l'a pris. Il est trop beau. Bon, 1 mois, à mon avis... Elle ne le mettra pas avant le mois prochain. Ah oui. Ah oui, mon chou. Petit chou d'amour. Ensuite, on nous a pris 3 paires de collants. Parce qu'on nous a dit que c'était 3 plus 1 gratuit. D'ailleurs, il est noté dessus. Donc, en 15-16, on nous a pris 2 blancs cassés. Enfin, blanc cassé. Blanc beige. Parce que blanc, les gens savent que je n'aime pas du tout les bas collants blancs. Et évidemment, on nous a pris... Ça, il fallait absolument que je l'ouvre. Vous le voyez très très jaune, mais en fait il est vraiment moutarde et celui-ci est en 14, donc 14 c'est 1 mois. Il est vraiment trop chou, quoi. Ça, je sais pas encore avec quoi je vais le mettre, mais ça c'était obligé qu'on me le prenne et je comprends tout à fait la personne qui l'a pris. Ensuite, un petit sous-pull col roulé super mignon en 3 mois. Il est adorable. Est-ce que vous voyez? Oui, adorable avec le petit col, avec le liseré comme ça, il est super mignon. Franchement, j'adore. Mon amour! Mon amour à maman! Papa va arriver, mon chou. Papa arrive? Papa arrive? Elle joue avec son arche. Ça, vous savez. Et alors, cette petite tenue que j'espère je vais pouvoir lui mettre à Noël, mais 3 mois, ça me paraît grand. Mais en même temps, le 1 mois, ils ont bien fait de ne pas prendre, parce que je pense qu'un mois, elle l'aurait peut-être pas mis, quoi. Donc, c'est d'abord une petite robe comme ça. Mais trop canon, quoi. Vraiment trop canon. Donc ça, c'est du 3 mois, hein, vous voyez. Enfin, c'est 56-62 cm, sachant que Noël est dans 4 jours. Ce sera peut-être un peu grand, mais je sais pas, on verra bien. Pour aller avec, il y avait cette petite blouse. Mon amour, mais oui, mais tu perds ta tute à chaque fois. Faut la garder, hein, chouchou. Mais oui. Une petite blouse. Une petite blouse à pois. Trop canon, avec des petits boutons ici. Elle est vraiment super mignonne, quoi. Et pour aller avec, ils lui ont pris le petit bandeau. Je me demande s'il n'en est pas un, hein, comme ça. Je sais pas, mais il est franchement trop chou. Mon chou, il me reste juste Primark. Il me reste juste Primark et puis on a fini. Et puis on a fini, mon chou. Oui. Elle est fatiguée, je pense. Et puis, hop, Primark. Oui, ça va, j'ai quand même pas mal de choses. J'espère qu'elle va tenir. Tout d'abord, on nous a repris, parce que ça, je l'ai demandé, vraiment. Je savais que la personne allait chez Primark pour Jeanne, de reprendre des tétras, donc des langes. À la maternité, ils appelaient ça des tétras, donc j'ai continué à dire tétras.
C'est 70-70, ils ont refait une nouvelle gamme dans les teintes de gris. Moi, il n'y avait pas avec des petits pois comme ça, un gris, gris uni, il n'y avait pas. Donc voilà, on nous a repris des tétras, ça sert toujours. On nous a pris une petite robe comme ça, et ça j'ai dû rigoler parce que j'ai la même pour moi, sauf qu'il n'y a pas les, petites fleurs. Mais sinon, j'ai exactement la même robe que ça. Je pense qu'elle est au grenier, elle est juste trop belle. Ils l'ont pris en 3 mois aussi, 3-6, ouais 3-6. Elle est canon, regardez ça. Elle est adorable. Oui mon chou. Et j'ai ma batterie qui est plate. Ensuite ils lui ont pris une autre petite robe. Mais ça ils m'ont dit, il n'y avait pas dans la taille de Jeanne. Mais elle était tellement belle qu'on lui a pris quand même. Donc ils lui ont pris en 9-12 mois. Et ça franchement je les comprends parce qu'elle est canon. Vraiment canon, bleu marine avec des petits pois dorés. Elle fait hyper chic franchement, Primark quoi. Et avec, vous avez des bas collants bleus que je mettrai pas honnêtement parce que c'est pas du tout le même bleu. Mais bon, ça fait une paire de bas collants en plus. Mais elle est canon. Elle est sublissime cette robe. C'est ma préférée de tout ce qu'elle a reçu. C'est mon gros coup de cœur. Ensuite, ils lui ont pris un petit pantalon qui a déjà servi. Voilà, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien. Je l'ai déjà lavé. Voilà, il est trop choupinou. Mais en fait, elle nous a fait une petite catastrophe dans son pyjama. Le jour où on nous l'a offert d'ailleurs. Et donc heureusement je me suis dit, ah mais vite on va déjà mettre un cadeau. Parce que voilà, elle nous a fait une petite surprise dans la couche qui a débordé partout. Et franchement il est adorable. Il est franchement super mignon et ça lui va trop bien avec les petites baskets grises qu'elle avait mis. Ensuite ils lui ont pris un petit jegging. Mais ça je pense que je vais pouvoir lui mettre. Ils lui ont pris en 0,3 mois. Mais Jeanne je trouve qu'elle a quand même un ventre. Moulou. Enfin un ventre. On se comprend hein. Et donc j'ai pas envie que ça lui serre et je trouve déjà que ça va être assez serré quoi. Donc je pense que je vais pouvoir lui mettre demain, je vais l'essayer. Parce que à mon avis ça va être vraiment bon. Je pense qu'au niveau des pieds je vais devoir retrousser. Ça c'est rien, je m'en fous. Mais au niveau du ventre ça va être tout juste pour maintenant à mon avis. Et ils lui ont pris deux petits pulls trop adorables. Le premier, il est trop chou. Et franchement les pulls sont hyper épais. Il est plus épais que celui de chez Kiabi. Il est pas trop chou, franchement il est trop canon. Et ça ils l'ont pris en 0,3. Trop adorable, franchement trop adorable. Et celui-ci, il est trop chou. 0,3 aussi je pense. Ouais, 0,3 mois. Oh, il est trop chou pinou, j'adore. Franchement elle a été super gâtée niveau vêtements. Et j'en savais que j'avais besoin de tenue 3 mois vraiment. Enfin je vous le répète tout le temps, j'ai envie d'habiller un petit peu plus Jeanne. Maintenant qu'elle commence un petit peu à, voilà... Pour la maison, je lui mets encore des pyjamas et tout, mais quand on sort, j'ai envie qu'elle ait une petite tenue, je trouve ça beaucoup plus mignon. Donc voilà, elle a été super gâtée niveau vêtements. Je vous ai dit, j'ai reçu autre chose maintenant d'une boutique Etsy. Il me semble que c'est Zaché ou quelque chose comme ça, je sais pas si je le prononce correctement. Je vais prendre Jeanne à bras, parce que là, je n'ai plus rien à vous montrer. Mon amour. Youpla, boum. Youpla, boum. Youpla, ma chérie. Youpla mon amour, youpla mon amour, youpla mon amour. Voilà, elle aime bien être comme ça, donc on va rester comme ça. Et donc je vous disais, de la boutique Etsy, il me semble que c'est Zaché. Je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. Et franchement, tout est trop beau dans sa boutique, moi j'adore trop. Et quand elle m'a proposé cette collaboration là, j'étais super contente. Donc j'ai pris une balle, je sais pas si ça porte un nom particulier, mais c'est vraiment en tissu et c'est un nœud, quoi. On dirait un nœud de marin, enfin je sais pas, c'est trop beau. Dis mais tu gesticules, regardez ça, les petites gambettes là. Et le tour de lit en gris, blanc et rose pâle, ça fait un peu penser à ceux que j'ai reçus récemment, les tresses du site... Est-ce que ça vient de New Chic ou Rose Gall? Il me semble que c'est New Chic. Je me trompe entre les deux, mais il me semble que c'est New Chic. Qui, eux, sont beaucoup plus doudou, un peu velours, quoi. Et ici, c'est très fin et c'est beaucoup plus... Voilà, on sent que la qualité est là. Ça n'a rien à voir avec, avec le site New Chic, qui est très joli. Hein. Je le garde, évidemment, pour en bas, pour son parc. Et pour ici, quand je la cale dans le Tipeee. Mais franchement... On voit vraiment ici que c'est de la qualité, ça arrive dans un pochon avec un petit sachet de lavande séchée, ça sent super bon. Franchement, le colis était impeccable.
on voyait que c'était un colis de qualité. Enfin, je sais pas comment vous montrer, j'aurais dû ouvrir et vous montrer ça. Donc de toute façon, je vais vous les montrer et voilà, je vous mets sa boutique en barre d'informations si vous avez des questions à lui poser. Et là-bas, je trouve ça trop chou que Jeanne puisse jouer avec. Pour l'instant, je l'ai mis à côté de son sac à jouer, et enfin son sac avec ses peluches. Et ça donne super bien dans la chambre, vous avez plein de couleurs différentes, la tresse 3 couleurs, c'est juste trop beau. Enfin voilà, moi je suis trop fan. On voit que c'est de la qualité comme je vous l'ai dit, c'est très fin, très léger et voilà, top, franchement top. Mon amour, on va aller manger? On va aller manger? Oui, on va aller manger. On va aller manger, t'en as marre? Oui, t'en as marre? Voilà, on va le fatiguer. Oui, je pense que c'est de la fatigue. Je le vois parce que quand je passe ma main sur son nez comme ça, elle commence à fermer les yeux et c'est comme ça que j'arrive à l'endormir en fait. Donc c'est mon petit truc magique pour lui faire faire dodo. Alors il y a les yeux qui partent un peu dans tous les sens. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je vais ranger tous ces petits vêtements que j'aime trop. Et de toute façon, ce sera la vidéo. Elle me regarde parler. Ce sera la dernière vidéo avant les fêtes. Donc, je vous fais des très, 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 très gros bisous. Passez de très bonnes fêtes. Que vous soyez en famille ou tout seul chez vous. Que vous ne fêtez pas Noël. Ou vous fêtiez entre potes ou comme vous voulez. De toute façon, je vous souhaite de passer un agréable moment. Voilà. Même si vous ne fêtez pas, passez un agréable moment. Faites-vous plaisir que vous soyez seul ou accompagné. Donc, voilà. Profitez juste. De votre soirée, faites-vous plaisir, faites-vous un plateau repas si vous êtes tout seul, regardez des films à la télé, des films de Noël ou je ne sais quoi. Il y a souvent des grands bêtisiers, moi j'aime bien regarder ça à la télé, les bêtisiers de Noël, j'aime bien regarder ça. Donc voilà, on se perd un petit peu à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est peut-être la dernière de l'année, je ne sais pas, on verra bien, peut-être qu'il y en aura encore une d'ici là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!